Des réunions tous les lundis, des sous-commissions, une quarantaine de responsables de secteur qui ont un grand nombre de bénévoles à gérer. Deux semaines de travail sur site avant le festival et une semaine après pour les rangements, c'est la face cachée, gage de la réussite annuelle de l'événement. Une concentration importante de personnes et de musiciens sur le magnifique but qui porte haut et loin le nom de l'association, mais aussi celui de notre commune. Cependant, si le festival est l'événement phare de l'année, la promotion et le soutien aux groupes de musique locaux constituent le moteur principal de l'association. Le public peut également la retrouver à l'occasion de diverses manifestations communales, telles que la fête de la musique, ou très bientôt, pour le forum La solidarité dans tous ses états, dont Thierry Durand vient de vous parler. Ce soir, en le remettant son mérite, la commune de Plan-les-Ouates rend non seulement hommage à l'investissement des membres de l'association tout au long de ces années, tant auprès de la vie culturelle locale que des jeunes musiciens, mais aussi à la maturité dont ils ont fait preuve en menant à bien tous ces projets. Le conseil administratif ainsi que les membres du conseil municipal vous remercient pour votre implication dans le rayonnement culturel de Plan-les-Ouates. Nous espérons que vos actions inspireront à leur tour la nouvelle génération. Ce soir, mais aussi toutes les personnes qui ont pu siéger au comité depuis les 10 dernières années. 10 ans pour Plan-les-Ouates, c'est 10 ans de succès, mais aussi d'échecs, de remise en question, c'est 10 ans d'énergie, de partage, de rencontres. C'est 10 ans où Plan-les-Ouates s'est beaucoup développé, tant au terme de nombre de ses habitants que aussi les activités qui ont été menées. Et peut-être que Plan-les-Ouates a fait partie effectivement du développement de ces activités-là. J'aimerais aussi noter l'importance qu'a cette récompense pour nous qui nous a mis ce soir donc au comité, mais aussi à toutes les personnes qui ont œuvré à travers le festival, à travers d'autres activités d'association, bénévolement depuis 10 ans pour que les choses se passent, que les rencontres se fassent, que les artistes soient contents, que le public soit content, que les gens qui travaillent, qu'ils soient professionnels quand c'est des mandataires, que ce soit des bénévoles quand c'est des activités que nous organisons nous. Qu'ils puissent travailler dans des conditions dignes et intéressantes et que ça permette aussi le développement personnel de ces personnes. Dire aussi que c'est une reconnaissance du travail accompli, donc ça veut dire effectivement que nos buts ont pu être, j'espère, un petit peu atteints et qu'on poursuivra toujours ces buts-là. Ça veut dire la promotion de la musique au niveau local, des artistes locaux, ça veut dire la production musicale par et pour la jeunesse de Plan-les-Ouates, même si on a 10 ans de plus que quand on a commencé. Et pour nous, ça, le festival, pour ces buts-là, nous, le festival est un outil qui nous permet de réaliser ces buts associatifs. Effectivement, on les poursuit aussi dans d'autres événements, c'était très bien dit par Fabienne, qui aussi a rappelé que nous participons à la fête de la musique, que nous participons au Bon Hiver, que nous participons à d'autres manifestations comme le Forum de la solidarité dans tous ces états. Pour vous dire aussi, j'avais rappelé quelques chiffres, mais qui ont été rappelés par Fabienne, donc je vais les passer, mais c'est vrai qu'on a... Maintenant, on accueille des têtes d'affiches internationales au sein du festival. Je prends un exemple qui est Raging Fire, que nous avons reçu en 2015, qui est cette année nommé pour le meilleur album de l'année dans sa catégorie au Grammy Awards. Donc c'est aussi, accueillir ces personnes-là. Raging Fire est un groupe montant, mais on a aussi accueilli des têtes d'affiches qui sont des gens qu'on écoutait quand on était ado, de pouvoir les rencontrer, de pouvoir les programmer et faire découvrir leur musique peut-être aux plus jeunes générations, c'est aussi une vraie satisfaction. Je ne vais pas en dire plus, je vous remercie beaucoup pour votre attention, merci encore au conseil administratif et au conseil municipal pour ce prix, et puis nous allons œuvrer pour continuer
assurer toutes ces missions-là et puis développer encore peut-être un petit peu certaines activités les prochaines années. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces excellents mots que cette soirée se termine. Je vous propose de partager un verre de l'amitié au fond de la salle et je vous réitère tous nos bons vœux pour cette année 2017. Merci.